Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de 8 choses à faire pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des futures vidéos. Comment définissons-nous notre succès? Est-ce parce que nous recevons un gros salaire? Vivons dans une maison extraordinairement grande? Avons épousé le gars ou la fille la plus chaude du comté? Ou conduisons la voiture la plus rapide du quartier? Ce ne sont certainement pas des mesures du succès. Construire un business et l'entrepreneuriat nécessite des talents uniques et un amour pour votre carrière. Il ne s'agit pas de choses frivoles. C'est une question d'opportunité et de votre capacité à découvrir votre rêve. Il y a 8 règles très simples que vous pouvez suivre pour vraiment réussir. Numéro 1, soyez passionné et faites ce que vous avez à faire par amour. Si vous ne l'aimez pas, alors pourquoi le faire? Si nous construisons des carrières ou continuons avec des emplois qui ne nous passionnent pas vraiment, alors nous nous sous-estimons. C'est comme le gars qui est un consultant en technologie qui désirait ardemment être le chanteur principal d'un groupe. J'ai déjà écrit sur l'amour et les carrières et je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous faites vraiment ce que vous voulez faire, vous serez plus créatif, plus motivé, plus à l'écoute et beaucoup plus susceptible d'être très prospère financièrement et personnellement. Catherine Hepburn l'a dit plus clairement. Si vous devez subvenir à vos besoins, vous feriez mieux de trouver un moyen qui sera intéressant. Numéro 2, travaillez dur. Ne vous leurrez jamais. Le succès vient d'un travail acharné. Et vous constaterez que peut-être que même si vous faites tout le gros du travail, il y a de la satisfaction dans un travail bien fait. Mais rappelez-vous que vous devez compter sur les autres. Alors assurez-vous de vous entourer de collègues qui partagent votre éthique de travail. Je ne connais personne qui soit arrivé au sommet sans travailler dur. C'est la recette. Cela ne vous mènera pas toujours au sommet, mais devrait vous rapprocher. Citez Margaret Thatcher. Numéro 3, soyez bon. Et par là, je vais dire sacrément bon. Les gens qui réussissent aspirent à la grandeur, pas à la médiocrité. Alors bougez-vous avec votre équipe pour vous assurer que vous avez atteint votre potentiel ultime. Et assurez-vous de célébrer vos victoires, ce qui non seulement engendre la confiance au sein de votre équipe, mais gardera vos collègues engagés et fidélisera également vos clients et vos acheteurs. Si vous n'avez pas lu le livre des Good to Great, prenez-en un exemplaire. James C. Collins a dit « La grandeur n'est pas fonction des circonstances. Il s'avère que la grandeur est en grande partie une question de choix, conscient et de discipline. » Numéro 4, soyez concentré. La concentration mène toujours au succès, ce qui n'est pas possible sans un accent clair sur ce qui compte le plus. Et les leaders ont constamment besoin de se rappeler cette vérité vitale. La concentration exige la poursuite d'une mission et d'une vision. Les bons leaders dans le business créent une vision, articulent la vision, s'approprient passionnément la vision et la concrétisent sans relâche, a déclaré Jack Welch. Numéro 5, repousser les limites. Richard Branson a dit: beaucoup trop de gens n'excellent pas dans la vie parce qu'ils ont trop peur de suivre les étapes nécessaires pour réaliser leurs rêves. Certains manifestent la peur comme une protection contre l'échec. D'autres n'essaient même pas, croyant qu'ils sont restreints par des limites.
statu quo, trop de gens sont pris dans le statu quo. Ne vous limitez pas à penser à l'intérieur de la boîte et ne laissez pas la peur vous gêner. Aujourd'hui, les gens attendent plus que l'ordinaire. Vous devez donc être extraordinaire pour vous faire remarquer et établir des relations solides avec votre marché cible. Que vous vendiez un produit ou un service, vous devez offrir la meilleure expérience possible. Numéro 6. Servir. L'excellence du service à la clientèle a toujours été et sera toujours l'un des avantages concurrentiels essentiels pour tout business. Répondre aux besoins de vos clients vous aidera à construire une marque très forte et mémorable. Soyez réactif, écoutez et observez, alors vous créerez de la valeur, apprendrez de vos erreurs de service. Vos clients les plus mécontents sont votre plus grande source d'apprentissage, a dit Bill Gates. Numéro 7. Créer des idées. En plus du service, l'ingéniosité, l'authenticité et la réflexion avant-gardiste conduiront finalement votre marque. L'aspiration fait partie du processus créatif, comme l'a dit Steve Jobs. Je vais mettre un ding dans l'univers. Vous devez toujours continuer à innover, en particulier dans un espace de marché concurrentiel. Repoussez les limites quand il s'agit de produire des idées. Numéro 8. Soyez tenace. Le développement des business et l'entrepreneuriat doivent être construits à partir de l'amour. Et tout grand amour nécessite de la passion et de la persévérance pour capturer vos rêves. Bien que vous connaissiez des revers et des échecs, vous trouverez également le succès et le triomphe. Vous pouvez rencontrer de nombreuses défaites, mais vous ne devez pas être vaincu. En fait, il peut être nécessaire de faire face aux défaites afin que vous puissiez savoir qui vous êtes, après quoi vous pouvez vous relever, comment vous pouvez encore vous en sortir, a déclaré Maya Angelou. Chers amis, ceci conclut cette vidéo sur les 8 choses à faire pour réussir dans tout ce que vous entreprenez. Si vous voulez apprendre à démarrer un business en ligne très rentable, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo pour rejoindre notre formation accélérée en marketing digital. Donnez-nous un coup de pouce levé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Jusque-là, gardez le sourire.